Bonjour Pocoyo. Bonjour Pato. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, une bande dessinée. Oh là là, ils font très peur ces monstres, dites donc. Monstres! Et je vous parie qu'ils font aussi des bruits effrayants. Êtes-vous capable de grogner et de crier comme des monstres? Et vous les enfants? Allez, on va tous faire des cris de monstres. Oui, bravo. Oh, ça faisait drôlement peur, hein. Tiens, d'où vient ce bruit? Oh, une voiture miniature. Oh, je crois que tu l'empêches de passer, Pocoyo. Pousse-toi. Je me demande bien où elle va. Si tu veux mon avis, Pato s'intéresse plus aux monstres qu'aux voitures. Là! Dépêche-toi, cours plus vite, Pocoyo. Ça alors! Une ville miniature. C'est incroyable. On dirait que les immeubles ont été construits avec des cubes. Pato, il faut que tu vois ça. Tu vas adorer. On croirait que vous êtes des géants. À quoi pensez-vous tous les deux? Ah, je vois. Pocoyo sera le monstre singe, et toi, Pato, tu seras l'horrible monstre dragon. Oh, une petite minute, Pocoyo. Oui, ah oui, 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 Pato a raison. C'est lui le monstre dragon. Et toi, tu es le monstre singe. D'accord. Ah, oh. Oh, excellent, Pocoyo. Oh, mais qui est-ce? On dirait des petites créatures. Oh, je crois qu'il ne les a pas vues. Pocoyo ne voit pas les petites créatures qui sont devant lui parce qu'il s'amuse trop à jouer les monstres singes. Mais c'est terrible! Je me trompe peut-être, mais je crois que Pato et Pocoyo leur font peur. Allons, Pato, calme-toi! Non, attends, attends, je... Non! Oh, oh non! S'il te plaît, Pato, ça suffit maintenant! Pato et Pocoyo, arrêtez ce jeu idiot! Non, oh, cette histoire de monstre est allée beaucoup trop loin! Pato! Pocoyo! Ah, oh, mais c'est horrible! Il y a tellement de bruit qu'ils ne m'entendent même pas! Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi, les enfants! Criez très fort avec moi! Arrêtez! C'est notre seule chance! Vous êtes prêts? Arrêtez! Ça suffit! Pocoyo! Tu vois tous ces immeubles qui sont tombés par terre? Il y a des créatures qui habitent à l'intérieur. Et si tu ne peux pas les voir, c'est parce qu'elles se cachent. Si tu ne me crois pas, regarde dans cet immeuble.
Vous voyez? Vous leur avez fait très peur avec vos cris et vos grognements. Elles ont toujours peur de toi, Pocoyo. Après tout, c'est normal, tu as détruit leur ville. Mets-toi à leur place. Tu dois te faire pardonner. Qu'en pensez-vous, les enfants? Croyez-vous que Pato et Pocoyo devront construire la ville? Oui, ils doivent tout remettre comme avant. Excellente idée. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, comme ça, c'est beaucoup mieux. Revenez, petite créature. N'ayez pas peur de mes amis. Votre ville est comme neuve. Mais où est Pato? Oh, tu leur as construit une aire de jeu pour te faire pardonner. C'est très gentil. Pato, mais c'est toi l'aire de jeu. Ah, c'est plutôt original comme idée. Un grand bravo pour Pato et pour Pocoyo. C'est important de faire attention aux affaires des autres. Au revoir et à très bientôt.